Allô, ça va bien? Très content d'être là, très content d'être là. Dans votre belle ville, ça me fait sortir de chez nous, c'est le fun. C'est rendu quelque chose. Me sortir de chez nous, c'est pas évident. Ah, oh, c'est rendu quelque chose. C'est moi une fille qui aime ça faire des activités. Tu sais, qui aime ça profiter de sa journée, qui se lève le matin avec des idées. Là. Hey. Pas le chum idéal pour ça, moi, là. Mais moi, je l'assume, par exemple. Moi, je te fais pas de faux espoirs. Hey, on va-tu aux pommes? Non. Si qu'on va pas aux pommes. Oh my God! Oh, t'as pas idée à quel point on va pas aux pommes. Toi, tu penses que t'es déjà pas allé aux pommes, t'as rien vu encore. Là, tu t'apprêtes à ne pas aller aux pommes. Oh, come on, je vais aller aux pommes! Mais on a des pommes dans le frigidaire. Si tu veux les cueillir, va me les chercher, va te les tenir. Non, même, tu mesures 5 pieds 1. Ouais, cueille, vas-y. Je serai ton âme. On va aux pommes dans le salon. On regarde la TV avant que tu vas aux pommes. Pas une autre idée? Cours de danse? Elle s'en va aux pommes. Oh, oh boy, va chercher ton chapeau. Là, je suis rendu paresseux. Fou raide, ça. Tout le monde qui va aux pommes. Moi, on dirait que la moindre tâche est une montagne. Exemple, il y a 2 ans, il fallait que je renouvelle mon passeport. Fait que j'ai plus de passeport. Non, elle finirait cette anecdote-là. Elle est courte. Ouais. Non, j'ai su le formulaire, j'ai fait, c'est fini les voyages, c'est terminé. C'est si beau, le Québec. Mais oui, je suis pas comme j'étais un voyageur. Ça, c'est n'est d'autre que j'admets, ça, les voyageurs. Ah, je trouve ça beau. Surtout ceux qui partent en sac à dos pendant des mois dans le désert avec une bâtante, des merelles. Hein? C'est à Blainville, pas de GPS, je le shake. Mais qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Ils sont excités, en plus. Un de mes chums, il me dit ça l'autre fois. Il dit, hey, je m'en vais 4 mois en Inde. C'est par choix. C'est intéressant. C'est pas que tu me dis, Simon, faut que t'aies 4 mois en Inde avec un sac. Là, en arrivant en Inde, je m'assis sur mon sac, j'attends 4 mois. Là. Pas le même voyage. Ils vont. Ils vont, puis ils se débrouillent. Puis ils reviennent transformés, hein. Ah, oh, t'y reconnais plus. Ils ont un poncho puis une queue de cheval. Ils ont plus de souliers, ils jouent de la flûte de pan. Ils boivent juste quand ils mouillent. Hein? Ils reviennent avec des nouvelles valeurs, des nouveaux talents. Ils peuvent te faire du feu avec une poignée de sable, une plume. Wow! Ils te racontent leur voyage. Ça prend des heures. J'ai visité des ruines. J'ai travaillé sur une ferme. J'ai marié un cheval. Ça arrive à moi. Toi, Simon, quoi de neuf? Oh! Oh. Et que j'aurais dû commencer. Eh là là! Mon Dieu, Seigneur, quoi de neuf? Ah, ben moi, j'ai commencé à me couper les ongles d'orteil debout dans le bain. Non, c'est un truc que j'ai pensé, écoute ça, OK? Pensez à ça autrefois. Tu te mets debout dans ton bain, OK? Puis là, tu te coupes les ongles. L'affaire, c'est que ça reste dans le bain, tu comprends? Quand ça revole, ça revient. Comprends-tu? Ça met pas de retard sur ton plancher. Quand t'as fini, tu sors du bain, tu pars l'eau, puis ça s'en va. Ça, là, c'est pas ma meilleure joke. Mais je l'ai fait juste parce que je sais, dans la salle, faut comme, bonne idée, ça? Trop douillet pour ça, moi, les voyages de sac à dos. Moi, j'étais un douillet. Moi, j'ai besoin d'un gros minimum de confort. J'aime ça être bien encadré. Tu sais, t'as des flèches, des guides, tu peux pas te perdre. Là, je te parle pas d'un tout inclus, par exemple, parce que tu penses que tu vas relaxer d'un tout inclus, mais tu relaxes pas tant, hein, à dormir dans le bain parce que t'as peur des punaises de lit. Tu sais, des punaises de lit d'hémisphère sud, là, sont longues de même, t'es en temps à nuit. Viens te coucher. Nice, ça! Les entends grignoter à tête d'oreiller. Ils partent avec ta gogoune. Tu fais là, toi, c'est avec ma gogoune. Là, tu te lèves à 5 heures du matin pour une place à la plage. Sinon, t'es pas rien de te faire griller sur le court de tennis. Là, t'arrives sur la plage, tu te dis, enfin, on va avoir la paix. Puis tout le monde est chaud. Tout le monde, surtout les Québécois. Gang, faut se faire un meeting, là. C'est rendu... Ah, c'est honteux, notre affaire, là. Tu as remarqué qu'il y a juste nous autres qui gueulent? Il y a juste les Québécois qui marchent sur la plage. Ta vacances! Ah! Là, ça cherche. Sonia! 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 Hey, là, 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 arrête jamais. Ce que tu fais? « Je cherche ma serviette! » Un Québécois dans le Sud, ça cherche sa serviette. Demande-moi pourquoi. « Raymond, c'est toi qui as ma serviette! » Raymond, il est là avec 6 bières à 10h15 le matin. T'es en speedo avec une couille qui sort. Servait ça. « Non, c'est pas moi, il demande à Denise! » Quelle est Denise? Denise est au bar. «
Tu sais, en pareo avec ses veines pétées en air de genoux, là. En train de danser avec un Dominicain, 17 ans. Ah, il m'aime pour ce que je suis! Ah, oh, oui, oui! T'as aimé celle-là, madame, hein? Tabarnouche! La seule affaire que j'aime d'être invécu, c'est le buffet. Moi, je suis un gars de buffet. Aimes-tu ça, le buffet, toi? T'es hot, hein? Oh, tu fais ce que tu veux, y a pas de jugement. C'est quoi ton souper? 26 saucisses, vas-y, mon gars. Regarde-toi, ça mène deux assiettes, on voit ce qui arrive. Cinq. Personne qui vient à ta table, est-ce que c'est à votre goût? Ils savent que ça l'est pas, là. Ils savent! Mais c'est ça, le deal, comprends, avec un buffet. Le deal, c'est moi, je paye pas beaucoup pour manger ce que je veux, autant que je veux, quand je veux, et en échange, j'accepte qu'au test à l'aveugle, je peux pas faire la différence entre tes côtes levées, tes carottes pis tes napkins. Restaurant chic, c'est compliqué, faut que tu fasses attention à tes bonnes manières, pis il y a un sommelier. Ah, oh, moi, je veux pas gérer le sommelier. Moi, il y a personne dans la vie qui me paye comme un sommelier. Tu sais ce que je veux dire? T'es un sommelier dans un restaurant qui part dans ses termes de sommellerie, là. Ce soir, je vous recommande le Château Griffon. C'est un vin très équilibré, c'est très rond. C'est pas le plus oxydé, mais c'est ouvert. Es-tu bon? Ouais, hein? Mais ils veulent t'aider. Comment ça, par le début? Vous préférez un vin blanc ou rouge? Oh, blanc. Fruité ou floral? Fruité. Vous préférez un vin ouvert ou fermé? Passe. Ça paume. Là, t'en commandes un au hasard pour qu'il s'en aille. Puis il s'en va, là, tu penses sorti de l'auberge, mais t'es pas sorti de l'auberge, parce que là, il revient à ta table et il te présente la bouteille. Tu sais, quand un foncier arrive à ta table, là. Est-ce que c'est le bon? Je le sais-tu? Moi, je disais, hey, c'est toi qui connais ça. C'est à quoi tu sers? C'est comme si le chef sortait de la cuisine avec une brochette de poulet. C'est-tu cuit, ça? Vous êtes fin. Vous êtes bien fin. Ouais. Pas un gros fan de restaurant chic, mais il va falloir que j'y aille bientôt avec ma blonde. Non, faut se réconcilier. On est dans une petite chicane en ce moment. Ça fait deux semaines qu'on ça va moyen parce que je refuse d'admettre que son chat parle. Ouais. Ouais. C'est niaiseux, hein? C'est parce que ma blonde, c'est le genre de fille qui est convaincue que son chat parle. Une fois par semaine, si on veut, viens voir le chat parle! C'est ce qu'il dit. Il vient de dire « mante ». Mante? Oui, il m'a regardé, il a fait « mante ». Il dit « mante ». Non, je m'excuserais pas de dire « mante ». Il a mis un son qui ressemble au mot « mante ». C'est comme si moi, je pète puis je garde mon cul à 10 portes. Tu veux dire? Elle aime son chat. Regarde, j'ai rien contre les chats. Pas un fan de chats, personnellement. J'ai rien contre les chats ou les gens qui aiment les chats. Faites du bruit, ceux qui aiment les chats. Applaudissez. OK, on a des bons. OK, c'est bon, ça. C'est correct. C'est tout à fait correct. Mais, es-tu au moins capable d'admettre que les chiens sont vraiment plus intelligents que les chats? Il y a aucun débat possible. Aucun. J'avais un chat dans la police, toi? Ben, c'est ça. Non. Chat et mat, je m'excuse. Un chat guide. Si c'est un chat guide, t'aurais juste plein d'aveugles, des tops de frigidaire. Hey, merci beaucoup tout le monde. Je m'appelle Simon.